يجهل العديد من المستثمرين الأجانب وكذا الجالية الجزائرية بالخارج سبل الاستثمار بالبلاد. السيدة أمال فرحات جزائرية مقيمة بمارسيليا، شغلها الشاغل الترويج لسبل الاستثمار بأرض الوطن، تقول سلاف دعماش في التقرير التالي. كثيرة الحركة والنشاط تجدها هنا وهناك، والهدف واحد، العمل على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني الذي يحتاج لتحفيز الجالية الجزائرية بالخارج والأجانب على حد سواء للاستثمار بأرض الوطن. Il y a beaucoup de demandes des investisseurs étrangers. Le problème c'est qu'ils savent pas à qui s'adresser. C'est vrai qu'ils passent par des chambres de commerce, mais des fois il y a pas mieux que le contact direct. Des rencontres pareilles, ça permet aux investisseurs, aux acteurs économiques de se rencontrer carrément, et puis ils peuvent échanger avec des histoires vécues. Donc voilà, donc j'encourage vraiment ce type d'événement. تحضر أمال فرحات جل الملتقيات والصالونات التي تجمعها بالمستثمرين الجزائريين والأجانب للترويج للسوق الجزائرية. En fait, cette journée, c'est une journée dédiée à l'Algérie. Donc, c'est une journée qui parle un petit peu des opportunités économiques en Algérie. Donc, c'était un très bon débat. On a expliqué aux gens que l'Algérie, maintenant, c'est plus l'Algérie d'avant. Maintenant, on cherche des partenariats gagnant-gagnant. Et il y a beaucoup de potentiel en Algérie, surtout en matière de coûts, que ce soit sur le gaz, la main-d'œuvre et tout ça. Donc, vraiment, ça pourrait être très intéressant pour les investisseurs de venir et d'investir en Algérie. نشاطها هذا نابع من وطنيتها وتفاؤلها بغد أفضل، وكذا ثقتها بالكفاءات الجزائرية التي صنعت المفارقة في العديد من المجالات.